Ça va. C'est déjà plus direct que de ce que je veux. Nous allons entendre ensemble les paroles du 512 que vous avez, si vous avez votre grâce, ensemble. Voir mon sauveur face à face et après toi, pasteur Thibault, pour nous faire quelques paroles de consolation. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Encore voilée,
révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, dit le roi. Me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Je serai semblable à toi. Chers parents, endoloris, amis et sympathisants, alors que nous sommes sur le point de remettre à la terre notre frère pasteur bien-aimé, Béliard Kléber, surnommé Robert, je voudrais vous adresser au nom du Seigneur ces quelques mots de consolation. Des mots d'espérance prononcés par un homme de la Bible appelé Job. Il prononce ces paroles au verset 25 à 27 du livre qui porte son nom. Vous devez savoir que Job, après avoir perdu ses 10 enfants en une journée, fait cette déclaration au verset 25 et suivant du chapitre 19 du livre des Job, de Job du moins. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme, dit-il, languit d'attente au-dedans de moi. Malgré la perte de ses 10 enfants et malgré sa souffrance extrême, Job, par ses paroles, porte une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir dans le désespoir et la tristesse que produit la mort d'un être cher. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. En d'autres termes, malgré tout ce qui m'arrive, ici-bas, je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et je sais aussi qu'il se relèvera, qu'il se lèvera du moins, pour réclamer mon corps au jour de la résurrection des hommes et des femmes de la terre. Mes yeux le verront, dit-il, et non ceux d'un autre. Chers parents endoloris, amis et sympathisants, comme Job, pasteur Béliard Kléber que nous pleurons aujourd'hui, descend dans le séjour des morts avec une double assurance. L'assurance de son salut, car il a été un homme de Dieu. Il a été un serviteur fidèle et dans son parcours,
Il a formé un grand nombre de prédicateurs, dont je suis l'un d'eux. Il descend dans la tombe avec l'assurance que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera et le ramènera d'entre les morts au jour de la résurrection. Il est parti. Il est parti se reposer du sommeil de la mort. Mais de son vivant, malgré les aléas de la vie et la maladie, il nous a montré par sa foi et par son courage, par sa vie, le chemin qui, au-delà de la mort, conduit à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Celui qu'il n'a cessé de proclamer. Celui qu'il n'a cessé de proclamer le retour et qui bientôt se produira sous nos yeux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, chers amis, chers parents, le jour viendra. Le jour viendra où, selon 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18, le jour viendra où la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En ce jour, chers amis, dit la parole de Dieu, nous les vivants qui serons restés pour le jour de son avènement, nous serons tous ensemble, enlevés avec les ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui pour l'éternité. Ce jour arrive. Oui, ce jour arrive où pasteur Kléber, Bélia, et tous ceux qui sont descendus dans la tombe avant lui, reviendront à la vie au son de la trompette de Dieu. La question qui se pose en cet après-midi, alors que nous sommes sur le point de remettre à la terre notre frère pasteur bien-aimé, est adressée à chacun d'entre nous. À vous, frères et sœurs, dans la foi. À vous, chers amis, rassemblés. Et à vous, chers parents, où serez-vous au jour de la résurrection des morts? Où serons-nous quand Jésus se lèvera pour réclamer le corps des hommes et des femmes de la terre qui, comme pasteur Bélia, ont placé leur confiance en lui? Robert, comme nous aimions si bien l'appeler, a choisi d'être avec Jésus au jour de la résurrection des morts, quand il se lèvera pour juger la terre. Et vous, avez-vous déjà fait cette alliance avec Jésus? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à considérer cela et à choisir, comme pasteur Bélia, d'être avec le Christ au jour de la résurrection finale. Puisse le Seigneur, en cet après-midi, nous aider. Puisse-t-il être notre rempart, notre consolation, et puisse-t-il nous garder jusqu'au jour de sa venue. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Allons nous incliner pour la dernière prière. Notre Dieu, notre Père, venons humblement à toi en cette fin de journée. Nous allons certes déposer Robert, repartir. Mais dans quel état sera notre cœur? Je voudrais spécialement penser à la famille, aux enfants, à la maman, à son épouse. Je suis étendre ta main, Seigneur, toi qui sais consoler, qui sais rassurer, qui sais ramener la sérénité. Visiter chaque membre de la famille. Et veille à ce que cette grâce que tu leur as faite d'aller jusqu'au bout de ce deuil leur soit conservé. Car Seigneur,
Être en deuil n'est pas évident pour tous. Il va falloir que chacun soutienne l'autre et qu'ils restent ensemble. Tu as ce pouvoir de garder cette famille ensemble, mais aussi tous ceux qui sont autour d'eux qui peuvent les soutenir, les conseiller, les accompagner. Tu sais faire les choses, car quand tu les fais, le peuple crie et dit, tu fais tout à merveille. Souviens-toi de cette famille endeuillée et donne gloire à ton nom durant tout ce deuil. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Le Canaan enverrons-nous le Oh,
Tu es sur YouTube, hein? YouTube, quoi, ben? YouTube, c'est une star. Ok. C'est bon. Et Huguette aussi, ma soeur, parce qu'on m'a dit de transmettre parce que ça ne veut pas dire qu'on a notre soeur. Ah, voilà. Relais, donc voilà. Ok, merci.